Bon! Je peux toujours voler? Ouais, je peux toujours voler. Est-ce que je peux... Non, je veux pas retourner dans la cage. Je voulais aller voir si derrière, on n'avait pas des petits coffres. Mais je peux pas passer, donc je pense que non. Est-ce que je peux aller au-dessus, là? Ah, nice, ça! Ouais, mais comment je fais pour la voir? Je peux pas monter là. Par au-dessus, peut-être. Ah, un coffre. Bon, deux, après, j'ai pas le choix, de, en gros, du copain. Oh, une confession! Yes. 4, on va pouvoir la lire. Alors, du coup, je mets une pause. Qu'est-ce que je viens de voir? Alors. Ah, lol, Cindy. Qu'est-ce qu'il y a, Eotan? Excuse-moi, je n'ai pas vu ta question. Tu peux la reposer? Bah en gros, Sandy, j'ai dû repartir avec Nora, ma sœur, pour essayer de retrouver mon père pendant que tu es partie. Du coup, j'ai laissé toute mon équipe, pas sans mal, hein, je t'avoue, c'est un peu la tristesse. Et au final, quand je suis partie avec Nora, je me suis aperçue que c'était une traîtresse. Elle m'a ramenée auprès de la reine, on m'a mis en prison. C'était un piège, en fait, et ils voulaient me tuer et s'emparer du royaume. Voilà, et donc là, je m'échappe avec l'un des gardes qui, en fait, s'avère être avec moi. Voilà, c'est tout ce que tu as raté. Letty t'a zappé en mode respect. Lol. Non, je sais pas du tout, j'ai pas vu ce que... C'est quoi comme type de jeu? Je sais pas en quoi il est catégorisé. Il y a le coup du combat tour par tour. Je saurais pas dire. C'est proche du... Au final, je trouve que c'est proche du RPG, mais en même temps, ça a un côté aventure. Je sais pas. C'est une bonne question. S'il y en a qui veulent regarder entre-temps, en quoi ils catégorisent ce jeu? C'est une très bonne question, en fait, Eotan, à laquelle, pour le coup, je n'ai pas vraiment de réponse moi-même, je t'avoue. Voilà. Donc, tu... Ouais, si quelqu'un... Coucou, Illy. Je t'avais pas vu. Coucou, coucou. Coucou, Nender. Ouais, bah, si quelqu'un veut se pencher sur la question. Alors, lisons la confession numéro 4. La plume griffe le papier, pauvre martyr. Des lignes s'achèvent, séchant proprement. D'autres coulent, les écrits troublants, ou quittent la page sans jamais revenir. D'autres saignent dans leurs habits noirs. Père, fils et épouse, mère d'alliance, chacun attend son heure en silence, et tous signent le pacte vain sans espoir. Traité, ruse et lignée, un même sort. Ici réunis, ce sera la mort. Les nôtres trompés au nom de Sinbel, une traîtrise pour une couronne de sang. Sur le papier, l'encre file comme le temps, la plume fielleuse se dévoile, mortelle. Voilà. Du coup, quand on aura la 5, on pourra lire les autres. Voilà, c'est des jolis petits textes, en fait, j'aime beaucoup. C'est... Voilà. Bon, on est reparti. Alors, j'avais vu, juste en dessous, qu'il y avait, messieurs, dames, un petit truc à récupérer. RPG aventure, voilà. Bon, bah Kino, en fait, dit RPG aventure, c'est exactement ce que je vous ai dit au final sans le savoir. C'est comme ça que je l'aurais catégorisé moi aussi. Donc du coup, ça va. Je ne suis pas trop à l'ouest. Comment je fais pour récupérer ça? Aïe, je le veux absolument. Ah non, non, non. Il y a un garde. Comment on fait? Quelqu'un sait comment on le récupère, ce truc-là? C'est assez triste quand même, je le veux. Tac. Tac. Pas compris, désolé. RPG aventure, thème fantastique. Ouais, d'accord. Ouais, je suis assez d'accord, c'est bien. Mais pourquoi je peux pas la récupérer? Je peux pas monter là. Je le veux ça, hein. Comment on fait? Comment on fait pour la voir? Quelqu'un sait? Ou est-ce que je peux pas l'avoir maintenant, peut-être? Il me manque ma petite Luciole Iniculus. C'est... Mais... je vais revenir ici avec eux? Qu'est-ce qui t'arrive, Illy? Pourquoi tu es triste? Donc personne ne sait. En passant par la droite sûrement, vu qu'il y a de l'espace vers la droite de l'item...
Ouais, mais regarde. Je peux pas. Bon, comment on fait? C'est parce qu'il est modo, Eotan. Les rouges avec le petit G de Gaming Room, c'est les modos. Bon, ma foi. Et je peux même pas passer cette porte, donc je suis obligée de faire le tour. Bien sûr. Soit, allons-y. Mais oui, mais lui, aïe, lui il va me voir. Oh là là, je suis moitié canée en plus. Aïe! Non, non, non. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et ici, toi. Là, plus tard, tu le récup, tracasse pas les tiens. Ok, on revient plus tard. Ça marche. Ça marche. Alors, attendez. Voilà. Oh, et un petit coffre, mais on va encore pas pouvoir l'avoir parce que. Parce que, bien sûr, bah, on a plus notre petite Luciole avec nous. Enfin, j'imagine, hein. Aïe. Du coup, je me pète les noix là-dessus. Encore un là. Ah! Je l'ai vu trop tard. Je vais mourir, on en parle? Je peux prendre une popo, remarquez, hein. C'est vraiment que je fais ma radine là. Est-ce qu'on peut aller par là ou pas? Non, on peut pas. Elle est jolie cette musique là aussi. Ah, et un coffre, mais si je le veux, va falloir que. Non, c'est bon, je peux gruge. Je sais pas trop par où aller pour le coup. Les buissons sur les murs, le pire ennemi de l'été. Ouais, c'est parce que je fais pas attention, mais. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Je suis tourné la tête, j'ai flippé! C'est quoi ce bruit? Ça, je peux pas l'avoir. Là, on a un coffre au-dessus. Je vais y aller doucement. Oh! J'y avais été doucement, bordel! Bon, ceux-là, je peux vraiment pas les ouvrir hein, sans une Uniculus. Hein. Bon. Alors, celui-là va être showtime. Je peux pas passer? Si. Non, laisse-moi tranquille, toi. Aïe! Et si je meurs, là? C'est un peu triste, non? Je vais me prendre une popo, du coup, je peux, là. Non? Voilà. On va éviter de mourir pour ça. Meurs, Letty. Non, non. Non, 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 on va éviter. Je ne sais pas trop par où aller, là. Hein. Pour être totalement honnête, je me promène. C'était certainement plus bas, ici. Voilà. Oh! Oh! C'est très joli tout ça, mais il y a certainement quelque chose à y faire. Quoi? Ça, je ne sais pas. Là, il y a une flèche qui me montre un côté. Est-ce que je peux poser mes pieds ici? Ah! Quelle machine infernale! Son mécanisme, je ne peux l'actionner. Ah mince! Comme vous, de la nuit, je suis le prisonnier. Condamné à servir pour l'éternité. Il nous faut de la lumière. Si seulement Uniculus était avec nous. Uniculus? Une luciole et mon ami. Fouillez la cellule juste là, voulez-vous? D'autres prisonniers du Temple de la Lune sont ici. Quelle cellule? Au secours! Oh punaise! Ils sont tous là! Ah non, qu'ai-je fait? Ah yes! Oh c'est trop bien, ils sont là! Délivrez-nous de cette obscurité! Ils sont tous ici avec moi! Ah, je savais que vous viendriez! Comment je fais pour les sortir de là? Oh putain, trop bien! Comment je fais? Oh, je veux les sortir, c'est ça?
J'espère. Yes! Ma luciole! Iniculus, je suis navrée. Tu es revenu. Pardonne-moi de t'avoir abandonné. Rattrapons le temps perdu. Alors, comment on fait pour libérer les autres? Finn, brrr, le fantôme d'Aurora. Non, Finn, c'est bien moi. Hourra! J'ai essayé d'être courageux. Mais votre sœur nous a jetés dans un cachot. Vilaine, salope. Cette sœur n'existe plus à mes yeux. Yes! Alors, Aurora, vos plans, les avez-vous changés? J'ai fait un mauvais placement, mais passons. Robert, je suis heureuse de vous retrouver. Ainsi s'envole le cours de mes actions. Nice! Alors. Non, Max, hein? Eh bien, jeune fille, quel numéro! Je vous tire mon chapeau. Prête à reprendre la route à nos côtés? Et comment? Nous avons un combat à livrer. Nice, bon bah ça a ouvert pour tout le monde du coup. Quel heureux rebondissement! Ai-je bien entendu ce que vous avez dit? Ma joie ne durera pas malheureusement. Cessez donc de vous faire du souci. Tling! Bon bah nice! Ok, là j'ai vu qu'il y avait un coffre. Tac. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de caché ici? Oh, c'est trop nice. Hop. Bon, bah, ma foi, je pense qu'il n'y a plus rien ici, hein. Je vais vérifier quand même au cas où, mais... Bon, tout le monde, il est revenu. C'est bon, c'est trop bien. Allez, on se casse. Allez, salut. L'union fait la force. On va tous vous péter les fesses. Pardon, je me calme. Ah, tu vas pouvoir aller m'ouvrir les petits coffres. Tiens, regarde, on a raté plein de choses pendant que t'étais pas là. Hop. Oui, je parle au perso du jeu. Hein. Je sais qu'ils ne m'entendent pas, mais je suis un peu comme ça, moi. Du genre à parler à des trucs qui m'entendent pas. Ça s'appelle la folie, hein, mais c'est pas grave. Hein. On vit bien avec. Alors, pour sortir, comment procéder? Deviner la chaîne. Dévider. Pardon. Dévider la chaîne pour commencer. Ouais. Iniculus, je compte sur toi. Ouais, alors ça, lui, il peut les activer. Prête à faire des étincelles, Aurora? Ok. Alors, attendez. Ça fait quoi s'il fait ça? Ok. Je suis en train d'essayer de regarder un petit peu ce que font tous les mécanismes. Ça fait quoi si je bouge ça? Oh, ça s'est mis à tourner. D'accord, alors attendez. Oh! Ah d'accord. Alors je vais ravancer du coup celle-ci, je pense. On va tester, hein, de toute façon. Tac, vu que ça tournait là. Là, ça devrait faire tourner. Ben, on va tester juste bouger celle-là dans ces cas-là. Ça devrait tout faire tourner, non? Oula! Non, alors a priori celle-ci bloque, je pense. Voilà. Qu'est-ce que vous racontez? Mais bye bye Lily, merci d'être passée, ça fait plaisir. Donc en gros, on libère que nos amis et tous les autres prisonniers d'avant, on les laisse. C'est qui la gentille maintenant? Lol. Bah ouais, mais bon, je pense qu'on les, on va en délivrer d'autres, hein, peut-être. Allez savoir. Tac. Bon, alors on teste comme ça. On va voir si ça passe comme ça. Qu'est-ce qui va pas? Ah! Il m'avait pas dit de toucher à ça, peut-être avant.
Je dois peut-être faire les deux synchros en fait. Non? Nice, c'est bon. J'ai réussi. Princesse, vite, descendons. Il faut se dépêcher. Crépusculum s'en vient tourmenter les prisonniers. Oula. Que risquons-nous? D'échec? Quel est le taux? Vite, quittons cet endroit au plus tôt. Très bien. Alors, barrons-nous. Il y a un coffre, hein, par contre, donc désolé, je récup. Tac. Ici, on peut pas y aller. Voilà, faut descendre. Oh là, il y a un garde. Je me promène un petit peu. Ah. Ah non, il va m'attaquer. Non! Oh, l'esquive! Oh, je l'ai tellement esquivé! Non. Alors, qu'est-ce qu'on a en bas? Oh, garde! Crépusculum détire la lune non loin en haut du pont. Vous ne venez donc pas? Princesse, je m'appelle Oengus du clan Kategida. Nous sommes les meilleurs des guerriers et l'éclair de Jupiter nous brandissons quand notre courage il faut prouver. Quand frappa l'obscurité, au ciel nous levâmes nos épées. Sur un chariot, la nuit arriva, des serpents de feu à ses côtés. Par Erin ou Erin, je ne sais pas, elle usait de magie et nous ne pouvions voler. Nous, Kategida, gagnâmes la cime de la tour, le plus haut des sommets, nos armes brillant comme en plein jour. De mon clan, c'était la fin. Arf. La nuit mit la tour à ses pieds, prête à accomplir son funeste dessein, qu'en levant mon épée, je lui jurai loyauté. D'un hurlement, elle emprisonna les miens. Oh. C'est urgent, princesse, je dois les sauver. Ah mais non! Mais t'en vas pas déjà! Mais pourquoi il est déjà parti? Letty et les coffres d'en haut. Quel coffre en haut? Quel coffre d'en haut? J'ai pas fait gaffe, tu peux dire au tout début du truc? Suivez-moi dans la prison ou partez. Il faut vous décider. Bon, alors, attendez. Je vois de quel coffre tu parles. Au tout début, en fait. Et c'est vrai que c'est pas idiot. On avait dit qu'on viendrait. Je vais essayer d'y retourner. Tac. Donc, ça, c'est récup. Alors, attendez. On va y retourner. Il a raison, Max. On va aller récupérer tout ça. Oh là là. Toi, tu te casses. Là, on est où? Wow. Alors, ça, aïe. Tac, c'est récupéré. Oh! Ding. Ah oui, il y avait ce truc-là aussi. Et wish! Il y avait ce truc-là aussi, là, qui était planqué, que je pouvais pas aller chercher. Est-ce que je peux y aller maintenant? D'où est-ce que je suis arrivée? Je suis arrivée de là au-dessus, je crois. On va y aller vite fait. On va y aller vite fait. Ah, en voilà un. Nice. Oh, je suis trop près. Tac. Alors, c'était par où? Ça, c'est la grande question. Merci, Max. J'avais oublié tous les trucs du début, du coup. Coucou, je rush. Ok. Je sais plus par où c'était. Je crois que c'était par là. Aïe. Ouais, il était plus là, là. Hein? Oh, je crie au shit, là. Alors, voilà. Toi, tu vas me chercher ça. Parfait. Et je crois que c'était tout, hein, en fait. Si on réfléchit bien. Il y en avait d'autres ici? Ou pas du tout? Je me souviens pas. Bon bah voilà. Plutôt cool. Pélo, il est dans le coin. Il est parti manger, je crois. Je rush. Mais de toute façon, je vais faire demi-tour et je vais aller avec lui, hein. Enfin, concrètement, je vais aller l'aider, hein. Le mec m'a sorti de la merde. Je vais aller l'aider à faire ce qu'il a à faire, hein. Ça va, je rush. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien, moi. Aïe, ta gueule, toi. Dégage. Meurs.
Ok, on passe tout de suite. Je vérifie partout. Oh, c'est pas vrai. Il y en avait d'autres ailleurs? Je me souviens pas. Ici, il n'y en avait pas un au bout avant de descendre. Je crois qu'il y avait un truc à récupérer. Avec lui. Ouais, gagné. Alors, hop. Et l'endroit où on était tout à l'heure aussi, avant de partir avec notre traîtresse de sœur, là. Il y en avait un, je crois, de... Il y en avait un. De coffre bleu, voire même plusieurs. Ok, donc là, par là, qu'y a-t-il, messieurs, dames? Donc ici, c'est là, je suis allée les chercher. Donc c'est bon. Par là, on ne peut pas y aller. Alors, hop, on est bien, les gars. Je vais juste zioter s'il n'y a pas d'autres trucs qui traînent. Et on va aller l'aider. Parce que, ouais. Oh non! Je ne voulais pas me battre maintenant! Je suis triste. Tant pis. Bon, on va finir sur un petit combat, du coup, messieurs, dames. Voilà, plus. Elle est pas du tout full life, là, à force de me prendre les murs, hein. Bah non, Mika, c'est comme ça que je vais faire, hein. Je suis désolée pour toi. Hop! Tac. Bah il prend le jeu, il le fait, hein. C'est pas comme ça qu'il veut le faire, tout simplement, hein. Moi j'ai annoncé, hein. Je prends mon temps, je découvre. C'est tout. Ok, je rush. Je vais me healer, hein, parce que c'est moi qui reste quand même. Bon, bah ils prennent quand même des dégâts, hein. Saloperie. Comment vous dire qu'Aurora va pas très bien? Va falloir la healer. Non, tu te calmes, toi. Ouais, interrompu, ça j'aurais parié. Ouais, Max, effectivement. Bon, on va taper. Même si, à mon avis. Ah, si, quand même! Ça fait du dégât! J'ai pas encore testé sa nouvelle attaque d'ailleurs. Et bim! Alors, on prend la douche? Ah bah non, pas de l'armure là. Bien. Il a la tête bien basse, l'autre là-bas, hein. Esquive et bim, tu fais quoi là, hein? Et bim, un de moins, ça s'est fait au calme. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à toi là. Coucher. On va tester la magie sur lui. On n'a pas encore essayé. Après tout, hein. On ne sait jamais. Bon, bah, pas avec Rubella, mais avec Aurora, je vais tester le nouveau sort, tiens. C'est lequel? J'ai débloqué un nouveau truc sur elle. Non? Je sais plus. C'est peut-être pas sur elle alors. Bon, en tout cas, je vais essayer de lui envoyer un gros. Oh non! Ah, il m'a pas interrompu. Donc on va quand même lui envoyer le gros rayon lumineux dans son nez. Nice. Et il va falloir que je me heal.
Parce que Rubella va pas bien. Voilà, au calme, on est bien. Tac, hop. Mais eux, vilain. Allez, on lui renvoie un grand coup dans le nez. Hein. Hop là. Coup critique, c'est tout. J'ai l'impression que les attaques physiques lui faisaient plus mal au final alors. Ou le. Ah non, le même nombre de dégâts. Bon, après, c'est Rubella, mais. Je vais tester un coup d'entaille pour voir. Ah non, hein. Ah bah tiens, petite interruption. Yes! Voilà, au calme. Bah, c'est parfait, messieurs, dames. Il est pile l'heure. Du coup, hop. J'ignorais que c'est que des créatures telles que toi existaient à Lemuria. Ah, dis-moi plutôt, combien vaut cette pipe? J'aimerais te l'acheter. Très bien. Le mec ne pense qu'à la thune. Tu peux toujours rêver. Voilà. Donc là, j'ai vu que ça avait fait la petite sauvegarde et c'est parfait. On va s'arrêter là. Pour la prochaine fois, on aura des points de compétences à distribuer et on ira aider le garde parce qu'il nous a sorti de la merde et qu'il n'y a pas de raison. On va aller l'aider quoi qu'il arrive. Voilà, sur ce, je vous réduis le jeu.